Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Atanouan 1 qui sera consacré à la plantation en potager. Faire son potager nous assure de consommer des produits sains. On y plante de nombreux fruits et légumes et de préférence ceux que l'on a l'habitude de consommer. Et vous, savez-vous planter des choux, des tomates, des carottes? Ce tuto vous explique comment procéder. Pour réussir vos plantations, vous aurez au préalable choisi un terrain idéal, ensoleillé, à l'abri du vent, proche de la maison et d'un point d'eau. Vous aurez préparé le sol pour obtenir une terre légère et aérée. Tracez plusieurs lignes sur lesquelles vous effectuerez vos plantations. Pour cela, utilisez le cordeau. Cet outil est composé de deux bâtons pointus et d'une cordelette, qui, une fois tendue, sert à matérialiser provisoirement une ligne. L'écartement entre chaque ligne va varier en fonction de la plante cultivée. Par exemple, il sera de 40 cm pour le chou, le navet, de 20 cm pour la laitue, le pota, et de 50 cm pour les aubergines, les tomates et les poivrons. Si vous semez des graines, sous le cordeau, avec un doigt, un bout de bois pointu ou une serfouette, tracez un sillon d'environ 2 cm de profondeur, dans lequel vous déposerez les graines. En général, la profondeur des semis est égale à 3 à 4 fois la taille de la graine. Pour la carotte, par exemple, la graine est minuscule et placée sous 1 cm de terre fine, alors que celle du haricot vert, plus grosse, est enfouie à 2 ou 3 cm. Attention, rappelez-vous que si les graines sont enterrées trop profondément, elles risquent de ne jamais pousser et que si elles sont trop proches de la surface, elles peuvent être dévorées par les oiseaux et les rongeurs. Vous déposez les graines dans le sillon le plus régulièrement possible. Il faut éviter qu'elles ne se touchent. Fermez ensuite les sillons avec les doigts et tassez légèrement. Marquez pour chaque semis le nom de l'espèce, la variété et la date. Arrosez en pluie fine et patientez quelques jours. Si vous repiquez des jeunes plants, marquez les écartements des trous de plantation le long du cordeau. Pour cela, utilisez un gabarit de bois coupé à la longueur désirée. Muni d'un plantoir ou d'un bout de bois pointu, ouvrez un trou suffisamment large pour y placer votre jeune plante sans avoir à plier ses racines. Lorsque vous replantez votre jeune pousse, assurez-vous de garder une motte de terre autour de ses racines, car cela facilitera sa reprise et vous indiquera à quelle profondeur la placer. D'une façon générale, le collé, c'est-à-dire la limite entre la partie enterrée et la partie aérienne de la plante, se situe au même niveau de la motte dans le champ. Certaines cultures se remplacent moins profondément pour éviter d'éventuelles pourritures du collé, alors que c'est l'inverse pour d'autres. Par exemple, on enterre le plant du chou jusqu'au niveau de ses premières feuilles, sans enterrer le cœur, et on enterre le collet de la tomate profondément, car cette plante a la faculté de fabriquer de nombreuses racines dans cette zone. Après avoir enterré la motte à la bonne profondeur, tassez légèrement autour du pied en tenant la tige. Arrosez immédiatement, éventuellement faites une petite cuvette autour de la plante pour faciliter l'infiltration et mieux conserver l'eau. Il est courant de planter une seule espèce par zone, mais il est plus judicieux d'en associer plusieurs pour qu'elles s'entraident. Par exemple, vous pouvez associer la tomate et le chou, ou le concombre et le radis, le concombre et le tournesol, ou la laitue et les carottes. La technique des trois sœurs associe même les trois plantes, le maïs, la courge et le haricot long. Les herbes aromatiques possèdent un effet répulsif contre les insectes nuisibles et sont donc intéressantes en association. N'oubliez pas d'alterner les cultures sur votre parcelle. Par exemple, si vous plantez des légumes graines la première année, préférez les légumes feuilles la deuxième année, puis des légumes racines la troisième, et terminez par les légumes fruits la quatrième, avant de démarrer un nouveau cycle. Cette alternance permet de limiter l'épuisement du sol et la propagation des maladies. Vous pouvez également laisser la parcelle au repos pendant une année.
vos cultures sont en place et ne demandent qu'à se développer. Certaines auront besoin de tuteurs ou de palissades pour grimper, d'autres devront être éclaircies pour gagner de l'espace ou libérer des mauvaises herbes concurrentes, mais toutes auront besoin d'eau et de minéraux. Alors, à vos arrosoirs et n'oubliez pas, elles ont besoin de votre attention.